Ouais, c'est Théo et Katie. Ah, c'est un peu la chaleur ici, hein. Ouais. Toujours cette chaleur écrasante, MDR. Ouais. Tu peux le dire. Oh, oh, j'arrive pas à me replier. Ah. Moi, j'arrive très bien à me replier, regarde. Ah oui. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Bien sûr, allez, tiens. Allez. À ta pouf. Oh là là, je suis carrément pas bien aujourd'hui. De quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Hier, j'avais bu un truc. T'avais bu quoi? J'ai bu de la cidre. Non mais c'est pas bien ça! Non mais t'es taré! Mais non! C'est une blague. J'avais bu en fait. T'avais bu quoi en fait? Une pipette. Une pipette de doliprane. N'importe quoi! Si, je te jure. Non, c'est une blague encore. En fait, j'avais pris, en fait. Je sais plus quoi. Ah oui, c'est ça. De la vitamine D. La vitamine D. Ouais, et aussi de la vitamine C. Une pipette de vitamine D et une pipette de vitamine C. Ok. Ouais, Franchement, depuis que je pèse un poids déjà, eh ben du coup, c'est pas le cas. bah oui, nous avons 13 ans, toi et moi. Ouais. Même aussi que je prends des fois des pipettes de médicaments. Tu vois? Oui, je comprends. Mais tu sais aussi, on pourrait quand même savoir à quel point tu prends toujours une tonne de pipettes qu'après. Oui, ben je sais, je m'en fiche. Là, je me sens vraiment pas très. Pas très bien. Non, pas trop enthousiaste, quoi. Enthousiaste, tu veux dire? Ouais. Tiens, j'ai une idée. Attends-moi là. Non, c'est pas vrai. Tiens, du sirop d'érable, comme ça te fera l'affaire. T'es sérieuse là? Mais oui. Oh. Et en plus, c'est maman qui l'a dit. Il faut toujours essayer quand même de manger un tout petit peu de sirop d'érable par jour. Écoute, je suis pas malade, ok? Oui, ben je sais, mais bon, ça te fera quand même un petit peu soulager. Oh. Sinon, aussi, le principe. C'est que en fait, tu dois faire encore du vélo mobile pour essayer quand même avoir un petit peu d'attention. Ce n'est pas un vélo mobile, c'est juste un vélo qui était juste pas comme les autres. Ben oui, c'est pour les petits. Oui, ben chut, j'adore ce vélo, je préfère l'appeler le vélo mobile. Enfin, t'as raison si je l'appelle le vélo mobile. Ben oui, un vélo mobile. Comment ça là? Ouais. T'as raison Cathy, parce que du coup, pas appeler un vélo mobile. Ben oui, sans doute. Bon allez, je repose ça à la cuisine. Et voilà, en plus à côté des biberons. T'es sérieuse là? En plus avec 3 points de biberon. Bon alors, je vais te dire. Alors, le blanc et le bleu, bah, c'est celui pour Nathan. Et pour le rose, c'est celui de Mimi. Ouais. Peut-être que bientôt que Mimi n'aura plus besoin des biberons, hein. Puisqu'elle a déjà 7 ans. Bah oui, faut vraiment qu'elle arrête ça, hein. Ouais, ce n'est plus un bébé. Bientôt, elle va être grande. Ouais, là déjà, elle a un peu sa petite taille. Oui, ben je sais, hein. Sans doute. Et je n'ai pas une petite taille de bébé, moi. Ah, voilà qu'on parle d'elle. Désolée, Mimi, mais par contre, c'est un petit peu dur avec toi, franchement, hein. Oui, et bientôt je serai grande. Peut-être une 800 bientôt. C'est ça, ouais. Alors, c'est quand que tu vas arrêter ton bibi rose? Je sais pas en fait, mais j'adore. Alors, ciao. Oh là là, franchement, elle. Bon, en fait, le truc, c'est parce qu'en fait, j'ai une petite fatigue moyenne qui était juste à 0,6 sur 10, que franchement, je n'aurais pas 2 sur 0,5 sur 10. N'importe quoi, Théo. Là, je suis pas trop d'accord. Là, le truc, c'est qu'en fait, t'es tout le temps accro sur les écrans, etc. Bah oui. Des fois, un matin, je regarde à la télé pour essayer de regarder Simmel, la Papatrouille, etc. Et bah en fait, c'est parce que du coup, l'écran va essayer carrément de me rendre un petit peu fou. Enfin, voilà quoi.
Oui. J'ai l'impression en fait que ça n'est pas trop évident. Tu sais, d'habitude, tellement de choses et qui étaient vraiment un peu bizarres des fois, hein? Eh ben, en fait, le truc, c'est simple. Pour avoir une raison un petit peu sur 0,5 sur 10 que toi, t'as une fatigue de moyenne 5 sur 4, là, franchement, c'est assume. N'importe quoi. Je veux pas écouter tes histoires à la noix. Et en plus, je m'en fous, hein, parce que du coup, pour avoir évidemment des choses un petit peu débiles, mais par contre, c'est un petit peu dur, hein. Tu sais, toi et moi, on est frères et sœurs jumeaux. Et parce que du coup, voilà, moi je suis le frère jumeau et toi t'es la sœur jumelle. Ben oui. C'est parce qu'en fait, du coup, qu'on est frères et sœurs jumeaux que ça donne vraiment un petit peu d'enthousiasme, quoi. Ouais. Bon, allez, ça va mieux maintenant. T'es sûr, hein? Mais oui, regarde, je suis en pleine forme là, tu vas voir. Surtout, tu fais attention, on n'a pas le droit de faire du vélo, hein. Et on n'a pas le droit de faire du vélo, quoi, dans la maison, hein. Oh, mais celui-là, il est mobile. Ça va, il est un petit peu bien. Ouais, ben, je fais pas trop, en fait. Allez, let's go! Il est bête, mon frère. Franchement. Din, 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 din. Coucou tout le monde. Alors, je sais que ça vous a plu. Eh ben, si c'est calme, eh ben, abonnez-vous sur YouTube. Vous en souvenir. Et si vous aimez cette vidéo, eh ben, c'est dans les commentaires. N'oubliez pas de faire cette vidéo, liker et de dire. Et oui. Alors du coup, on va faire encore un Pluto Kitty Movie. Eh ben oui. Ben oui, des fois tous les jours, des mois. Et voilà quoi, etc. Hein. Ben oui. Bon, bientôt ça fera un mois en fait qu'on a fait un Pluto Kitty Movie. De façon, de faire voilà quoi, de... Vous comprenez, hein. Ben oui, parce qu'en fait l'année dernière, on a fait des Pluto Kitty Movie. Ben oui, sans doute. Sans doute, même plus. Eh ben oui, hein, franchement. Oh, je suis encore un petit peu fatiguée, franchement. Eh ben cet après-midi, tu vas faire une petite pause, un petit repos. Ouais, tu as raison. Voilà. Allez, bye bye. Et voilà quoi. Ben oui. Allez, ciao. Bon, allez, toi, tu vas rentrer, tu vas dans ton lit. Allez. Allez, gros repos. Voilà. Bye Et moi aussi, bye bye. bye. Théo.